Nous allons nous tenir debout pour lire l'Écriture. Yambo, totanga likomi, tuzali na bosenga ya mabondeli. Avant de lire l'Écriture, nous avons une requête. Tuzali na bosenga ya ndeko na biso ya mwasi, sœur Ambanda. C'est une requête de notre sœur Ambanda. Santé, zokutungisaye makasi. La santé, la tourmente. Nansena moye, tuzali na munganga mususu te bobeli. Sous le soleil, on n'a pas un autre médecin, c'est le malui. Elike ya basantu ezali yende nkolo Yesu Christ. C'est lui, Seigneur Jésus-Christ. Bosenga ya mibale. La deuxième demande. Ezali ya mwana ndeko na biso ya mwasi sœur Lodi Marie. C'est l'enfant. Notre sœur Lodi Marie. Bosenga ezali ete. La requête que. Pasolaye lisusu. Elle va subir. Ya orthopédie. Elle va subir encore une intervention chirurgicale sur l'orthopédie. Je vais dire aux frères et sœurs. Tango topesaka mutoazo coupé sa requête pour la santé. Quand un frère ou une sœur présente une requête en rapport avec la santé, Sengeli omiti na place ya muto wana. Il sera mieux que tu te mettes à la place de notre de ton frère ou ta sœur qui est malade. Oh, musagole alubiete eloko. Et pesa ka ya n'pa ina nzambe ezali compassion bolingo. Le prophète dit ya oyo zoko bonde la kosenga pa ina nkola kotala oyo ezana motema na. Le prophète dit ce qui donne la réponse à la requête c'est la compassion que tu as vis-à-vis de celui qui a présenté cela. Opération l'amour ya... que tu as vis-à-vis de ton frère ou de ta sœur qui a présenté la requête. Opération ya sœur Marie mwana ezali ya misatu je crois. Cette troisième. Opération l'opération de la sœur Marie, ça c'est la troisième. En tout cas, la troisième. Nous allons implorer la grâce de Dieu. Vraiment, de la pour la requête, il y a malade, vraiment, la compassion, la montée m'a été. Nkolo, à mon a été, c'est vrai, tu sengi santé, il y a bandeko et pas inaye, yende munganga ba minganga. Ce sont les médecins de Néan, c'est ce qui dit la Bible. Prions le vrai que, médecin, c'est lui, Jésus-Christ. Prions pour que le Seigneur intervienne par rapport aux requêtes de bien-aimés avec compassion, parce que c'est lui, le Seigneur, qui est le médecin des médecins. Je vais lire l'Écriture et puis après, nous allons prier. 1 Corinthiens 14. Un ou deux. Nous sommes à 1 Corinthiens 14. Nous sommes à 1 Corinthiens 14. Moko ba kolitia zominamine. Verset 20. Moulongwa tukumi balé. Frère Bandeko, ne soyez pas des enfants sous le rapport du jugement. Poza la banate nao etali makambo ya kusambisa. Mais pour la malice. Oui, Tali. Maël Mabé. Soyez enfants. Boza la bana. Et à l'égard du jugement. Et Naoué Tali Kosambisa.
Soyez des hommes faits. Boza la bato babongi be. Kolo apambola biso nyonso. Que le Seigneur nous bénisse nous tous. To bondela. Nous allons prier. Sanga kobosana pona bosenga yabande. N'oublions pas les requêtes de nos bien-aimés. Notre Père, qui est des cieux de la terre, Nkembo, Dieu de gloire, Tata, Père, Ngonga Oyo, à cet instant, Bana na yo, tes enfants, Bazali Koyambango, viennent rapidement, Nabisika Bazala Kinkolo, de là où ils étaient, Namisala, des services, Nakoluka, en cherchant, Ngonga Oyo, Nkolo, ce temps ici, Seigneur, nous sommes réunis à cet endroit pour t'écouter, Nkembo, Dieu de gloire, Esika Oyo, cet lieu, Koya, nous venons, Potoyoka Toli, Utana Yo, pour recevoir les conseils venant de toi, Esika Ozali Kulakisa Bison, Dengeni Tokoki Kobika na Sena Moyi. Nous montre comment nous devons vivre sous le soleil. Tata, Père, Nyonso ezalinde yo. Tout c'est toi. Oya na ngonga oyo. Viens, cet instant. O simba muumbu na yo, Tata. Tu touches ton serviteur, Père. Okata ngenga ya mbebo na ye. Circoncire ses lèvres. Oye kobima na munoko na ye. Ce qui sortira de sa bouche. Et na yo, Tata. Que cela vienne de toi, Père. Biso tobi kisama. Que nous puissions être sauvés. Oh, biete. Parce que tu Lubiko ezalinde kati na loba na yo. Le salut est dans ta parole. Kembo. Dieu de gloire. Tata na bolingo mingi. Père d'amour. Tu zali na requête mi balé ya bana na yo ya basi. Les requêtes de tes filles. Ndeko na biso Ambanda. Notre sœur Ambanda. Nkolo. Seigneur. Toyebi. Nous savons. Ete
et que la maladie tungisi, les tourments et outina lisumu na ilanga na Eden du jardin d'Eden nzela ya mabe kozanga koyoka par le mal que oyo Adam asala kinkolo ce que Adam a fait qui na biso cela nous est tard to yebi nous savons yo yaki toi tu es venu alléluia alléluia nkolo seigneur au matin ikolo tu es monté sur la croix. Ogangaki, tu as crié et tout est accompli. Kembo, Dieu de gloire. Bolingo na yo, ton amour nous a ramené au commencement. Tu as dit si vous avez quelque chose, ne murmurez pas. Ne vous inquiétez pas. Montrez ça au Seigneur par la prière, malombo, dans des supplications, des actions de grâce. Ah, Nkolo, oh Seigneur, nous te supplions et te sœur Ambanda, la sœur Ambanda, Azo na miso na yo, tout grâce. Il y a maladie de maladie qui l'a tourmenté. Il y a son corps au nom de Jésus-Christ. Nkolo, Seigneur, opération il y a sœur Marie. L'intervention chirurgicale de la sœur Marie. Bah, orthopédiste, il y a Saul et Zayo. Les vrais orthopédistes, c'est na toi. Mugilio, bah, mingang, nanse, na moyi. Cette terre, les médecins sous les soleils. Ils ne savent pas de quel produit tu as fabriqué les oh, eaux. C'est qui a créé les eaux dans l'homme. Zali yo moko nkolo. C'est toi-même, Seigneur. Kaka yo, tata. Seulement toi, Père. Nde oza na droit. Il y a la le pouvoir na kozongisa de restaurer ya ndeko na biso ya mwasi Marie les eaux de notre sœur Marie Nkolo Seigneur tozali kolomba yo nous te prions na intervention oyo dans cette intervention yo moko ozala présent que toi-même tu sois présent Dieu de gloire tomona luboko na yo que nous puissions voir ta main mwana oyo azwa ngolo na miso na yo puisse bénéficier la grâce de toi kombo na Nkolo Yesu sois guéri au nom de Jésus-Christ toti nyonso na maboko na yo tokikeli yo place ya liboso katikati na biso première place au milieu de nous obanda na biso que tu commences avec nous okamba nyonso que tu guides tout pe osukisa na biso que tu puisses terminer avec nous obondeli yo boye nous avons ainsi na eliki epai na yo avec espoir et toi na kombo ya Nkolo au nom du Seigneur pe mobikisa na biso et notre sauveur Yesu Kristo Seigneur Jésus Christ amen amen to bengi ndeko na biso. Nous appelons notre frère, les serviteurs de Dieu, pour que nous puissions écouter la parole. Napesi binonyo sombote na kombo na Yesu Christo. Je salue tout le monde dans le nom du Seigneur Jésus Christ. Amen. Amen. Tokotanga Genèse chapitre 1. Nous allons lire dans Genèse chapitre 1. Kobanda verset 1 jusqu'au verset 5. En commençant à partir du premier verset jusqu'au cinquième verset. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Naye bandeli nzamba kelaki balola mpe mabele. La terre était informe et vide. Mabele zangaki lolenge pe zalaki pamba. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Et Zouamaki mililitu na likolo ya lobwako. Abîme. Libulu bozindo. Libulu bozindo. Et l'esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Pe limona nzambe bande koninga likolo na bamai. Dieu dit. Nzamba lobi. Que la lumière soit. Sikete pole ezala. Et la lumière fut. Peuple Ezalaki. Dieu vit que la lumière était bonne. Nzamba mona ki ete pole ezalaki malam. Et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Nzamba kabola ki pole na milili. Dieu appela la lumière jour. Nzamba bengaki pole moi. Et il appela les ténèbres nuit. Pe a bengaki milili butu. Ainsi. Na boye. Il eut un soir. Et il eut un matin. Ce fut le premier jour. Amen. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Balingami. Bien-aimé. Lolenge yamoto oyo abongi be. La stature de l'homme parfait. Cela montre que l'homme doit croître.
Ndenge kaka moto akola kana nzoto. Comme l'homme croit, ce qui concerne son corps. Ndenge pe ekosengela ete moto akola na molimo na ye. Il en faut aussi de la même manière que l'homme puisse croître spirituellement. Pour qu'il puisse croître spirituellement, yambo penza, il faut abotama. Premièrement, il doit naître. Et azali ko botama na nzela ya liloba na Nzambe. Et il naît par la parole de Dieu. Tango atie kondima na ye na liloba oyo Nzambe alobaki. Quand il place sa foi dans la parole que Dieu a prononcée, na mbala moko abotami. En cet instant, il est né. Et kondima ekomi moboko ya ye moto. Et la foi devient le fondement de cette personne-là qui vient de naître. Or, quand il grandit, il faut abakisa ba étape. Il doit ajouter certaines étapes. Likolo ya kondima akobakisa nguya. Sur la foi, il doit ajouter la vertu. Nguya ya Yesu. La vertu de Jésus. Katina ye. En lui. Pour kondima ngo eza kaka ya Yesu. Pour la foi là, c'est pour Jésus. Et sur cette vertu-là de Jésus, il doit ajouter la connaissance de Jésus. Et sur cette connaissance-là de Jésus, il doit ajouter la tempérance de Jésus. La tempérance de Jésus. C'est alors que l'homme est en train de croître dans la foi. Et après la tempérance, l'homme doit avoir la patience. Amen. La patience de Jésus. Parce qu'il faut que vous ayez. Et vous devez savoir ceci. Dans toutes les choses que nous sommes en train de dire là, Dieu lui-même en a. Dieu à la fois ce qui concerne sa parole. Si Dieu dit sa parole, lui-même le premier croyant. Et dans notre croissance là, étape nyoso ya vertu, étape de la vertu que le croyant a, c'est Dieu lui-même qui en a. Et Dieu communique au croyant qui lui a engendré. Là où nous venons de lire, c'est souvent nous croyons que c'était du tic-tac. Non. Cela a pris du temps. Quand Dieu a dit, que la lumière soit. C'était pas c'était au même moment. Dieu lui-même avait écrit dans sa parole là. Il avait entendu. Jusqu'à un certain jour, après des années, ou après des mois, la lumière fut. Bien-aimé. Quand la Bible dit que Dieu a créé le monde pendant 6 jours, le septième jour, il s'est reposé. Ce n'était pas lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi. Ce n'est pas ça. Ça a pris du temps. Et dans ce long moment-là, Dieu était patient. Amen. Pour attendre ce que lui a dit, s'accomplisse. Et il a cru en cela. Il a patienté. Jusqu'à ce qu'il a vu l'accomplissement. La patience là de Dieu. Que lui-même a. Il a communiqué à ses enfants. Toute personne engendrée de Dieu,
Il doit avoir la patience. La patience. Patienter. Et surtout, surtout si ça concerne la parole de Dieu. Si Dieu a dit, alors, yo, il faut toi, tu dois patienter. Là, vous allez marcher bien avec Dieu. Dieu n'est pas pressé. Celui qui est pressé, c'est Satan. C'est pourquoi vous voyez les gens partir chez les féticheurs pour avoir les fétiches. Là, on l'appelle vite fait. Ok. Tu pars. Tu fais les sacrifices. Et tu vois subitement la chose. Mais à la fin, hein, il y a un résultat. Mais auprès de Dieu, lui qui a dit sa chose, cela doit prendre des jours. Cela peut prendre des semaines. Cela peut prendre des mois. Ça peut même prendre une année. Parce que Dieu, s'il dit quelque chose le concernant, il ne rétracte pas pour dire que non, il ne fallait pas que je dise de cette façon-là. Pourquoi le prophète de l'air nous a dit, Dieu, avant de dire quelque chose, premièrement, il le réfléchit. Il le réfléchit pendant plusieurs jours. Il réfléchit. Quand il devient convaincu de ce qu'il veut dire, et il le dit. Quand il le dit, il ne rétractera pas pour corriger. Parce qu'avant de parler, il a bien réfléchi. Et quand il l'a déjà dit, ça reste ainsi. Amen. Amen. Et il y a eu des gens qui ont cru en ce Dieu-là de patience. Et ils ont hérité cette patience-là de Dieu. Je pensais qu'on pouvait parler de deux personnes ou trois. Comme Noé. Noé était un homme de patience. Il a obtenu cette patience-là venant de Dieu. Comme il était fils de Dieu, Dieu lui avait communiqué cette patience-là auprès de Noé. Dans Genèse chapitre 6, verset 5, à partir du cinquième verset, au verset 7, jusqu'au septième verset, l'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre. Yahweh a mona qui était kanda ya bato et koma ki monene likona mabele. Non, méchanceté. Kanza. A mona qui était kanza ya bato et koma ki monene likona mabele. Et que toutes les pensées de leur cœur se portait chaque jour uniquement vers le mal. L'Éternel se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre. Et il fit affliger en son cœur. Et l'Éternel dit, j'exterminerai de la terre l'homme que j'ai créé, depuis l'homme jusqu'au bétail, aux reptiles et aux oiseaux du ciel, car je me repens de les avoir faits. La condition dans laquelle le monde s'est retrouvé dans cet instant-là, cela s'est répété encore aujourd'hui. Dieu ne peut pas être tranquille dans son cœur. Au temps de Noé, quand Dieu a eu mal dans son cœur, et il avait décidé qu'il va exterminer la terre. Lelo. Aujourd'hui, c'est la même manière.
Nous sommes à cette période-là. Et période otozanango. C'est la période dans laquelle nous nous trouvons. Na elaka na kati na Bible. Cette période a une promesse dans la Bible. Yesu tango ayaki awana mabele. Jésus quand il est venu sur la terre. Ayebisaki bato. Il a dit aux hommes. Soki mokili. Si le monde. Et comme il susu na lolengyo ezalaka na mikolo ya Noé. C'est fini encore comme c'était dans les temps de Noé. Boye bayete. Ça c'est que c'est fini. Lelo. Aujourd'hui. L'Éternel vit que la méchanceté de l'homme était grande sur la terre. Yahweh amona ki te kanza na bato, koma ki monene liko na mabele. Ah. Nkanza. La méchanceté ya bato. Des hommes. Et koma ki monene na mabele. Était grande sur la terre. Et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. Mon frère, que tu l'éveilles ou non, aujourd'hui, cette écriture est accomplie. Dis Amen. C'est rare de trouver les hommes au monde. Journée mobimba. Toute la journée. Azo tanga Bible. Qui lise la Bible. Journée mobimba. Toute la journée. Azo bonde la nzambe. Il prie Dieu. Journée mobimba. Toute la journée. Azo sala oyo nzambe akoko sepela. Il fait ce que Dieu fait sans rien. C'est rare. Lelo. Aujourd'hui. Makanisi ya mitema ya bato. Les pensées du cœur de l'homme. Ezo kanisaka mabe. Ça pense toujours au mal. Mabe. Mal. Mabe. Mal. Mutu afandi. L'homme est assis. Il ne pense pas à Dieu. Il pense comment il va voler. L'homme est assis. Il ne pense pas à Dieu. Il pense comment il peut blesser quelqu'un. L'homme est assis. Il ne pense pas à Dieu. Il a ses pensées à lui. Qui sont différentes des choses de Dieu. Aujourd'hui. La manière de ces choses pour lesquelles Dieu a exterminé la terre, cela se répète aujourd'hui. Et l'Éternel se repentit d'avoir fait l'homme. Et il fit affliger en son cœur. Dieu a pris la résolution. J'exterminerai de la terre l'homme que j'ai créé depuis l'homme jusqu'au bétail. Aux reptiles, aux oiseaux du ciel, car je me réponds de les avoir fait. J'ai mal au cœur. Pourquoi j'ai créé aussi l'homme? Si je savais, mais il savait, parce qu'il est Dieu, il connaît toutes choses. Amen. Amen. Quand il a fait ces choses, pour qu'il puisse déployer sa divinité, pour qu'il puisse déployer sa divinité, on ne se moque pas de Dieu. Amen. Amen. Verset 8. Mais Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Pourquoi Noé a trouvé grâce aux yeux de Dieu? Parce que le cœur de Noé était différent de la manière de cœur des autres. D'autres cœurs ne se tournaient que vers le mal. Mais le cœur de Noé, il craignait Dieu, il aimait Dieu. Il était ravi de la parole de Dieu. Et la Bible dit, et Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Verset 13. Alors Dieu dit à Noé, la fin de toute chair est arrêtée devant moi. Car ils ont rempli la terre de violence. Voici, je vais les détruire avec la terre. Toi, yo, fais-toi une arche de bois et gopher. Mon frère, ma soeur, nous autres avons bénéficié la grâce d'avoir des téléphones Android.
Si tu regardes ce qui se passe sous le soleil, si c'est vrai, alors il faut que Dieu retourne, revienne. Comment on peut frapper l'homme la machette comme une bête? On les tranche avec la machette. Vous n'avez pas de problème avec lui. Tu les déchires le ventre. Tu fais sortir toutes les entrailles. Pourquoi? Pourquoi cette méchanceté? Le monde est arrivé à un état tel que il faut que Dieu puisse regretter. Dis Amen. Il faut que Dieu regrette. Que tu ne puisses pas te retrouver dans ces choses. Réjouis-toi de la parole de Dieu. Si tu n'as pas de travail, prends la Bible et lis. Prends la brochure, lui. Prends la lettre circulaire, lui. Lis. Si tu n'en as pas, entre dans la chambre. Fukama. Mets-toi à genoux. Bondela. Prie. Il faut prier Dieu. Comment tu tombes? Toi, tu es seulement assis comme ça. Tu penses comment est-ce que je vais faire le mal? Comment est-ce que je vais faire le mal? Toi, tu es enfant de Dieu. Que ces pensées-là ne viennent pas sur toi. Il y a des gens. Il sait que cet homme-là, c'est le mari d'autrui. Il décide dans son cœur, je vais sortir avec lui. C'est que cette femme-là, c'est la femme d'autrui. Il décide dans son cœur, je vais sortir avec elle. Il faut même, il connaît très bien l'homme. Ou il connaît bien la femme de ce monsieur-là, très bien. Donc, son cœur tourne toujours vers le mal. Et Dieu au ciel, il regarde. Tant que Noé a joué grâce. Quand Noé a bénéficié de la grâce. Mon frère, c'est facile. Mon frère, c'était pas facile. Est-ce que l'assemblée est ici? Ils allaient qui facile. Ce n'était pas facile. Na lukili komi ango na Bible. J'ai cherché cette écriture là dans la Bible. Oyo ekoki ko confirmer maloba oyo ndeko Branham malobi ango. Qui pouvait confirmer la parole que frère Branham dit dans cette prédication? Na moni ango te. Je n'ai pas trouvé. Mais na lingi kaka na tanga. Mais je vais seulement lire. Sachant que c'était sorti de sa bouche, mais dans la Bible, je n'ai pas vu. Ce n'est pas sorti de ma bouche non plus. Quand il parle de cette histoire de Noé, lui, il a dit, parce que lui aussi a prêché la patience dont je parle. Il a trouvé ça dans la Bible. Et il a dit que Noé était patient. Quand Dieu a dit, la fin de toute chose est arrivée. Est commis. Toi, Noé, yo, Noah, tu as trouvé grâce à mes yeux. Fais l'arche. Salamasua. Le frère Branham, je ne sais pas où est-ce qu'il l'a trouvé. Peut-être parce qu'il est le prophète, je ne sais pas. Alobi boy. Il dit ceci. Noé, Noé avait de la patience. Oui. Boy. Noé. Noé. Avait une véritable patience selon Dieu. Dieu lui a dit, je vais détruire ce monde par la pluie. Et Noé a prêché pendant 120 ans. C'est là que j'ai dit, j'ai cherché ça dans la Bible et je n'ai pas vu. Alors, tenir une rigueur, mais ne maintenez pas rigueur. Et ce que tu as dit, na Bible, dans la Bible, c'est tout pour j'ai cherché la Bible et je n'ai mais pas na lu. Mais j'ai répété, le prophète de Dieu, lobby, comme lui a dit, Noé, Noé. Quand Dieu lui a dit, fais l'arche, puis les gens du monde, pour vous entrer dans l'arche, à Sala 120 ans il a fait de prédication. 120 ans de prédication. Seulement suppliant les gens. Est-ce que l'assemblée est ici? Même la parole auquel moi et toi nous avons quitté. Nous allons à l'enlèvement. Depuis qu'on a commencé de parler de l'enlèvement, ça a pris combien d'années? On ne se fatigue pas. Nous sommes patients. Nous sommes patients. Nous attendons. Mais sans doute, il y aura un enlèvement. Cela exige que tu aies la patience. Si tu n'as pas de patience, tu vas rentrer. Regardez.
na mokili. Tu vas retourner au monde. Vous voyez? Beaucoup de patience. Motema molai penza. Même pas la rosée. Ata mokeke lete. Ma moins. Ata ma moite. Ma moins. Ma moins. Ah, ma moins la rosée. C'est-à-dire, ba mayo ezalaka ya tongo tongo. Les gouttes la matina. Leki na ba fleur, si tu passes par les fleurs. Soko leki na matiti. Si tu passes par les fleurs. Oyoka matiti. Tu vas attendre. Kite, il n'y a pas la pluie. Et police matiti. Mais l'eau a mouillé les on fleurs. On appelle ça la rosée. On appelle ça la rosée. Mais na mikolo wana. Mais ces jours-là, même pas la rosée. Il n'y avait même pas la rosée. Mais Nzambe a lobi. Mais Dieu a dit. Mokili eko dinda na mpela. Le monde sera englouti par la pluie. No way. No way. Andimi. Il avait cru. Mais azui motema mola. Il a eu la patience. Mon frère, laisse qu'on nous injurie, laisse qu'on nous méprise, laisse qu'on se moque de nous. Tu vas voir dans le livre de Pierre, Il y en a deux pierres. Il y a deux pierres. Chapitre 3. Chapitre 3. Na kobandana verset 4. À partir du 4e verset. Les gens disent. Batoba koloba. Où est la promesse de son avènement? Car. Nzambi. Depuis que les pères sont morts. Uta batata bakufa. Tout demeure comme dès le commencement de la création. C'est ce que les gens disent aujourd'hui. Quand nous nous disons, Jésus viendra, il y aura un enlèvement. Depuis le temps de Paul, il a prêché l'enlèvement. Irénée est venu. Il a prêché l'enlèvement. Bandimi ya ba message na bango wana. Les croyants de leur message Bakufa, là. Bakundama. Ils sont morts, ils ont été enterrés. Colomba ye. Colomba est venu. Martin. Ainsi de suite. Et, bongo na bongo. Dis le lot. Jusqu'aujourd'hui. William Branham a été pris enlèvement. William Branham aussi a passé l'enlèvement. Il est mort, il a été enterré. Le nom de Kofran. Aujourd'hui, frère Franck. Avant Zongue la maloba ya baninga. Il répète les paroles de ses frères. Biso pendenge moko. Nous aussi de la même manière. Mais enlèvement ango. Mais cet enlèvement là. Cela n'est pas encore venu. Nous ne sommes pas encore partis. Il y a ces frères qui avaient espéré. Il a espéré. Il est mort. Nous sommes allés l'enterrer. L'enlèvement n'a pas eu lieu. C'est pourquoi ici, frère Pierre dit, ils disent, où est la promesse de son avènement? Car, depuis que les pères sont morts, toutes choses demeurent comme dès le commencement de la création. Et où est son avènement? Soko landi bato, si tu suis les hommes, okozanga patience, tu vas manquer la patience. Et tu vas retourner au monde. Loba amen. Dis amen. Kanga mato inayo na oyo bato bazo loba. Bouche tes oreilles de tout ce que les hommes disent. Fungola mato inayo na oyo nzambe azo loba. Ouvre tes oreilles de ce que Dieu dit. Pendima yango. Et quoi cela? Verset 5. Bolongo amitan. Ils veulent ignorer que des cieux existèrent autrefois par la parole de Dieu, ainsi qu'une terre tirée de l'eau et formée au moyen de l'eau. C'est ce que nous avons lu en Genèse 1. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Mabele zanga ki lolenge pesa ki pamba.
L'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Mais quand Dieu a dit que la lumière soit et la lumière fut. Les gens oublient que les eaux existaient dans ce monde-là d'antan. Mais aujourd'hui, ils se posent des questions. Où est son avènement? Vous avez beaucoup prêché. Nous avons beaucoup crié. Vous avez souffert vos corps. Des jeunes que vous êtes. Vous n'avez pas fait de vie. On vous a serré le corps. Ah. Ne, va, oh, ne fais pas ça. Ne fais pas cela. Vous êtes devenus des esclaves. Tu n'as même pas vécu. Et alors, où est son avènement? Il veut l'ignorer. En effet, que des cieux existèrent autrefois par la parole de Dieu. Ainsi qu'une terre tirée de l'eau et formée au moyen de l'eau et que par ces choses, c'est-à-dire des péchés, c'est par ces choses. Ces choses qui ont fait mal à Dieu. Nkanza. La méchanceté. La pensée seulement sur le péché. Kaka ya mabe. Seulement pour le mal. Nanzela na makambo wana. Par ces choses-là, le monde d'alors. Mokilo ya kalakala. Périt submergé par l'eau. Bébé sama ki pesi ni sama ki na mai. Est-ce que vous êtes d'accord? Est-ce que vous êtes d'accord? Ah oui. 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 Jeune sœur. Elongo moi aussi. Jeune frère. Elongo mobali. Bolenge. La jeunesse. Ekoleka. Ça va passer. Mais na suka mobembo ko samba. À la fin du voyage, tu seras jugé. Lokolo zwingolu ya koyeba nzambe. Comme tu as bénéficié de la grâce. Kota la bolenge na yote. Ne regarde pas ta jeunesse. Nzambe oya bengi ona bolenge. Le Dieu qui t'a appelé dès sa jeunesse. Il n'est pas bête. Ngai babenga nga na bolenge. Moi, on m'a appelé pendant que j'étais jeune. Ngai. Moi. Ndenge bozo mona ngai. Comme vous me voyez là. Nzambe babenga nga na bolenge. Dieu m'a appelé, j'étais jeune. Nazaki à peu près 19 ans. J'avais à peu près 19 ans. Ou 20 ans. Ou 20 ans. Quand on a couta nagi nzambe. Quand je me suis croisé avec Dieu. Quand j'ai rencontré Dieu. Nazaki lelo na plus de 60 ans. Aujourd'hui j'ai plus de 60 ans. Bolenge na ngai. Toute ma jeunesse. Et leki na liloba nzambe. C'est passé dans la parole de Dieu. Na kwai na telembe. Je me tombe, je me relève. Na kwai na telembe. Je tombe, je me relève. Na kolemba te. Je ne vais pas me fatiguer. Alléluia. Amen. Parce que nzele za moselu. Parce que le chemin est glissant. Nzele za passe. Le chemin est difficile. Mais nzela malam. C'est un bon chemin. Na suka nango. À la fin de ce chemin là. Misuti ya bien. Il y a une bonne récompense. Kaka ngaité. Ce n'est pas seulement ba moi. Ba mingi kati na beaucoup biso. D'entre nous. Basi pe babal. Femmes comme garçons. Nzambe benga biso bilenge. Je les appelais pendant que nous étions des jeunes. Nous croissons dans la parole. D'ailleurs, tango nzambe benga kanai. Na zalaka moteite. Je n'étais pas prédicateur. Na zalaka mondimi lokola yo. J'étais simple croyant comme toi. Na yeba kama même pas na kozala motei. Je ne savais même pas que je serais prédicateur. Nzambe Dieu a yebi savait pourquoi a bengio. Il t'a appelé. Yofanda. Toi sois là. Oweza elanga na Nzambe. Ça c'est le temps de Dieu. Nzambe kolo elanga. Dieu le propriétaire. Azana misala bebo. Il a beaucoup de travail. Il n'appelle pas en vain. Azana eloko a bombela yo. Il y a quelque chose qu'il a gardé pour toi. Amen. Dis amen. Ba frère romani ba chante. Les frères que tu vois là les chantres. Ba benga maka ba chantre. Il n'était pas appelé chantre. Ba frère romani ba diacre. Les frères que tu vois diacre. Ba benga ma ba diacre. Ils n'étaient pas appelés diacre. Ba benga ma lokola bandi. Ils étaient appelés comme des croyants. Lokola bana nzambe. Comme enfants de mais Dieu. Mais au fur et à mesure. Au fur et à mesure. Bazo tambola nzambe. Ils marchent avec Dieu. Nzambe azo positionné. Dieu les positionnant. Na benga ka yo. Tu étais appelé pour la boy. Pour que tu sois ceci. Na kati anda konanga. Dans ma maison. Oza utile. Tu es utile. Alléluia. Amen. Même ma boko yo beta ka eza utile. Même les mains que tu tapes là sont utiles. Mon yemba kapeza utile. Voilà que tu chantes est utile. Chômeur azate. Il n'y a pas de chômeur. Na elanga ya nzambe. Dans les chants de Dieu. Otonyo soit ça la kamosa. Tout homme est un ouvrier. Est-ce que vous êtes d'accord? Est-ce que vous êtes d'accord?
Toi, réjouis-toi là où Dieu t'a placé. Et que par ces choses, le monde d'alors périt, submergé par l'eau. Mais, par la même parole de Dieu, les cieux et la terre d'à présent sont gardés et réservés pour le feu. Amen. Dis amen. Pour le feu. Pour la moto. Ndeko Branham a dit si Frère Branham nous dit. Nous sommes ici sur la terre assis sur une casserole chaude. Parce que nasse na biso. Parce qu'en dessous de nous, essence ezali. Il y a de l'essence. Nasse na biso. En dessous de nous, pétrole ezali. Il y a du pétrole. Nasse na biso. En dessous de nous, gaz ezali. Il y a du gaz. Tango moto ko uta lola mokolo. Quand le feu viendra du ciel un jour, bambani nasse awa. Il commence sur la terre. Mokili ko exploser. Le monde va exploser. Sika ko kime ko dala. Il n'y aura pas d'endroit pour fuir. Mais Nzambe na bolingo na ye. Dieu dans son amour. Nzambe na mayele na ye. Dieu dans sa sagesse. Abongisi biso. Il a nous préparé. Abanyo so wa ne koma. Avec que toutes ces choses n'arrivent, nous allons entrer dans le ciel. Ne regarde pas ta jeunesse. Découragé. Que personne ne te décourage. Non. Découragé. Que personne ne te décourage. Vous voyez? Pourquoi le feu est gardé? Pour le jour du jugement. Et de la ruine des hommes impies. Pour y'a l'ipé, y'a m'kola l'ibé, y'a bato y'a m'bindo. Ah. Toi, tu n'es plus un homme impie. Yo, j'ai grâce. Toi, tu as bénéficié de la grâce. Makila, moi, n'empaté. Le sang de l'agneau. Et soukoli yo. Ça t'a lavé. Yesu a bengi yo na bolingo na ye. Jésus t'a appelé dans son amour. Pe a boaki yo na liziba ya makila na ye. Pe t'a plongé dans son Pe sang. Pe obimikuna. Pe tu es sorti de là. Saint. Saint. Et si quelqu'un dit que tu es pécheur, c'est lui qui a dit. Mais auprès de Dieu, lui te voit saint. Parce que tu as reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur. Ne te fatigue pas. Amen. Amen. Patient. Sois patient. Genèse chapitre 7. Genèse chapitre 7. Verset 5 à 7. Noé exécuta tout ce que l'Éternel lui avait ordonné. Noé avait 600 ans. Noé avait 600 ans. Lorsque le déluge d'eau fit sur la terre. Et Noé Noa, entra dans l'arche avec ses fils, sa femme, ye, les femmes de ses fils, pas si ye, pour échapper aux eaux du déluge. Dieu à tout moment pour ses élus. Il cherche pour eux un moyen d'échappatoire. Est-ce que vous êtes d'accord? Frère, frère, nous ne mourrons pas ensemble avec les pécheurs. Les croyants ne meurent pas avec les incroyants. Le temps de dire à ta famille de se repentir, c'est maintenant. Et tes amis, et tes enfants, et tes frères, ne leur cache rien. Dieu t'a éclairé pour que par toi que les autres aussi soient éclairés. Même, patron na yo, même ton patron, dis-lui, Jésus est venu pour lui. Il a envoyé un message pour préparer les gens. Ne cache rien. Vous voyez? Mon frère, il y a quelque chose qui me plaît quand je le lis. Awa. Ici, na Genèse 6. Dans Genèse chapitre 6. Tango, Nzambe alobi na Noé. Quand Dieu a parlé à Noé, Salama Soua. Fait une arche.
Na verset 17 ya chapitre 6. Au verset 17 du chapitre 6. Zambe alobi boye. Dieu dit ceci. Et moi, Pengai, je vais faire venir le déluge d'eau sur la terre pour détruire toute chair ayant souffle de vie sous le ciel. Tout ce qui est sur la terre périra. Pourquoi? Pourquoi a-t-il pris cette décision-là, ma sœur? Le monde était devenu méchant. Est-ce que l'Assemblée est ici? Comment imaginez-vous? Comment vous pouvez imaginer? Moto. L'homme. Osaka na 20 000 francs congolais. Il y a seulement 20 000 francs congolais. Osana moisi. Tu as une femme. Osana bana. Tu as des enfants. Outi mosala. Tu viens du boulot. Outi koteka. Tu viens du marché. Otika kimbongo na nda kote. Tu n'as rien laissé. Bada kose la papa zoya. On attend que papa revienne. Mais okoti na nganda ntaba. Tu entres dans là où on voit les morceaux de chèvre. Avec les prostituées. Oui, on kanzanini. Quelle méchanceté. Mais, bana, makila na yo moko. Mais les enfants, c'est ton propre sang. Bazako zela yo. Ils attendent. Otika ki elokote. Tu n'as rien laissé. Moi, si wana. La femme là. Moi, na bato. La fille d'autrui. Oboto la baboti na yo kumba. Tu l'as ravi auprès de ses parents. Olobi banda lelo. À partir d'aujourd'hui, moi, je prends sa responsabilité. Obima ki na tongo. Tu es sorti le matin. Otika ki elokote. Tu n'as rien laissé. Ovi 20 000 francs. Tu as obtenu 20 000 francs. Okomi na ndakote. Tu n'es pas arrivé à la maison. Aujourd'hui, téléphone. Tu prends le téléphone. Mais j'ai. Ozawa. Tu es où? Nazo kama kele le place Ozali. Attends le bout là où tu es là. Non. Anto azana ndako. Anto est à la maison. Mais j'étais. C'est pas Mejé. Moto amona ka pasi na yo. C'est lui qui souffre pour toi. Kesoki na butu. Si la nuit. Et bebeli yo. Il y a des problèmes. Pe azui mokumba na yo. C'est ta responsabilité. Anto. C'est Anto. Eza Mejé. Ce n'est pas Mejé. Yo wana ye. Elle est bien. Yo ga moto na na. Écoute ta question, la question qu'elle pose. Obengeli ngani. Tu m'as appelé pourquoi? Je t'ai appelé pour que tu puisses manger la chèvre. Et tu achètes la chèvre. Mange la chèvre avec Mejé. Mais à la maison, moi aussi, ta femme, bana, les enfants, frère, quelle méchanceté. Yo, toi, tu ne peux pas être ainsi hey, comme ça. Non, ces choses-là, si là, bah, laisse les gens dire. Laisse pour yo, les gens. Jésus a bengi toi, yo, Jésus t'a appelé. Appelle ça en forme. Il te donne la forme. Ya moi dans le fils de Dieu. Alléluia. Amen. Moi, je ne sais pas. Oh, na médita ce que j'ai dit, si je ne l'avais pas médité, j'ai senti que c'est sorti seulement ici. Dieu sait pourquoi. Si tu es cet homme-là, répands-toi. Amen. Dans ces choses-là, c'est alors que le monde d'alors a été submergé. Mais Noé, un homme patient, il a construit l'arche seul. On l'a considéré comme un insensé. Il est parti le matin. Il rentre le soir. Et pas sur l'analipec. Lâche dans sur l'épaule. Les gens l'ont considéré comme un fou. Il a construit l'âge où? Au-dessus de la montagne. La montagne. À tel point que même attends, qu'il voulait, non, qui? Que même s'il pleuvait, voyez comme un ngomba ça n'est pas arrivé jusqu'à cette montagne. Mais il n'a pas construit seul. Atonga par l'ordre de Dieu. Il a construit sur l'ordre de Dieu. Dieu a son ordre. Zambé a son motif. Alléluia. Amen. Pour épargner, Bino. Pour que vous puissiez vous épargner.
Natangite lolenge ya masuo ya sengela kikotu. Je n'ai pas lu de la manière dont devait construire l'arche. Mais soko otangi nesika wana. Si vous lisez là-bas, vous allez entendre. Nzambe alobina ye. Dieu dit, joan zete ya gofer. L'arbre de gofer. Nzambe ayebina banzete. Dieu connaît même les arbres. Yende mokeli ya banzete. Celui le créateur des arbres. Loba amen. Dit amen. Mais et pourtant, nzete ya gofer. L'arbre de gofer. Soko obwa kina mai. Si tu jettes ça dans l'eau, eko absorber mai. Ça va absorber de l'eau. Pedindi. Ça va s'enfoncer. Ça dit na miso abato. Mais aux yeux des hommes, Noé a gobi maloko moto ali bomba. Noé était considéré comme un fou. Mais nzamba lobi na ye. Et Dieu lui a dit, au couvrir nzete wana na goudron. Couvre cet arbre là du goudron, de bitume, de bitume. Pour que l'on ne puisse pas pénétrer. Tu vas faire la fenêtre de cette façon-là. Dans cet arche-là. Tu vas faire trois étages. Porte d'entrée moko. Une seule porte d'entrée. Fenêtre moko. Une seule fenêtre. Toi, tu vas t'asseoir là. Si tu veux regarder comment la pluie, il a eu la pluie. Otali na fenêtre. Tu ouvres la fenêtre. Omoni. Voyez. Moto moko. Un homme. Pouvait dire, Noé, Ozana raison. Noé, tu as raison. Nzambe soko alobi. Si Dieu a dit, cela doit se faire. Mais le modèle que tu as fabriqué, ce n'est pas bien. Attends, on va faire un autre modèle. Osali mosala ya mpunda. Tu as fait un travail vain. Noé a zo sala na ye mokote. Noé ne travaillait pas Noé seul. Noé a zo sala d'après l'ordre Noé de Dieu. Noé travaillait d'après l'ordre de Alléluia. Dieu. Amen. C'est comme les églises aujourd'hui. Moto, chacun à la mouki, se réveille. Église et fait son église à sa manière. Église et nous avons fait l'église à notre manière. D'après le modèle. L'église d'après le modèle. Est-ce que vous avez la joie? Mais dans le bas qui est là, on a pas. J'avais dit que ce qui m'étonne ici. Verset 18. Au verset 18. Mais j'établis mon alliance avec toi. Tu entreras dans l'arche. Toi, yo, tes fils, bano amibale, ta femme, moi si na yo, les femmes de tes fils, basi ya bana na yo, avec toi. Na elongo na yo. De tout ce qui vit, utana, oh, no, so eko bika, de toutes tes chairs, utana, nsuni, nyoso, tu feras entrer okokotisa dans l'arche masua, de mi balai, de chaque espèce na elonge na moko na moko, pour les conserver pona ko bate la bango, en vie katina bomoye, avec toi elongo na yo, il y aura ekozwama un mâle mobali moko et une femelle, pe mwasi moko, des oiseaux bandeke selon leur espèce eyengene na lolenge na bango, du bétail bibwele selon son espèce elenge na eyengene na lolenge na, tous les reptiles de la terre nyamano se batambula selon leur espèce eyengene na lolenge na bango, deux de chaque espèce na lolenge na lolenge viendront vers toi et pay na yo. Alléluia, amen. Tu n'iras pas les chercher, mais ils viendront. Mon frère, comme nous sommes là, c'est Dieu qui connaît ces hommes. Dieu appelle ces hommes. Dis amen. Quelle grâce. Oh, c'est Dieu qui m'avait appelé. Dieu t'avait appelé. Ne retourne pas. Mais ce n'est pas un effort de retour. Ça l'a effort, y'a qu'on kende longo na Zambe. L'effort de marcher avec Dieu. Oyoki. Tu as entendu? Deux de chaque espèce. Mi balen na lolenge na lolenge na. Viendront. Bakoya. Vers toi. Et pas inayo. Pour que. Poète. Tu les conserves. Obate la bango bon moi. Mais toi. Kasi yo. Prends de tous les aliments que l'on mange. La nourriture spirituelle. Ah ouais, pas Noé. Ici, auprès de Noé. C'était la nourriture que les hommes mangent. Kotisandunda. Fais entrer le Kotisangaingai. Fais entrer le Kotisangaingai. Kotisa. Fais entrer. Tango bango bakoya. Quand ils viendront, ils vont commencer à manger. Loko la lelo. Comme aujourd'hui. Christ. Aza type ya arche. Le type de l'arche. Abengi biso. Il nous a appelé. Abandisi biso. Il nous a fait asseoir. Ayebisi Joseph Lilanga. Joseph Lilanga. Tout ce que l'on mange. Oh, nyoso bakolia. Réunissez. Kansangisa yango. Alléluia. Amen. Bato nyoso bakobanda.
qui commençait à venir, qu'il mange, qu'il mange. Pour conserver la vie. Pour conserver la vie. C'est pourquoi il y a des serviteurs de Dieu là. Vous êtes d'accord? Vous êtes d'accord? Il y a de la nourriture. Vous ne le suivez pas quand il dit nous sommes à l'aide. Dans les serviteurs, ils viennent avec la nourriture spirituelle pour le peuple de Dieu. Amen. Dit Amen. Yo, kanisi, Noé. Noé, akukaki ko benga na nzoko. Il pouvait chasser l'éléphant. Ukanisi Noé. Tu penses que Noé? Akukaki ko benga na léopard. Il pouvait chasser le léopard. Non. Té. Noé. Noé. A comprenant qui que. Il avait compris que. Zambende a tindi bango. C'est Dieu qui les a envoyés. Pour vivre na bango za la conserver. Pour que leur vie soit conservée. Après déluge. Après le déluge. Bako se reproduit. Ils vont se reproduire. Biso. Nous aussi. Nous avons reproduction. Nous sommes la reproduction. Et après déluge. D'après le déluge. Yo, amen. Dis Amen. Vous voyez. Vous voyez. Yo, kanisi. Toi, tu penses que léopard. Le léopard. Nakatia arche. Dans l'arche. A vous croyez la chèvre? Ne pouvez-vous manger la chèvre? Non. Imaginez-vous que frère léopard à côté. Imaginez que le frère léopard entre. Et à côté frère chèvre. Il trouve le frère chèvre là. Il dit mon frère. Pousse-toi, je vais m'asseoir aussi. Le frère chef lui dit Amen. Mais si c'était dehors, il va les dévorer. Oui. Awa, ici, il faut qu'on se respecte. Nous devons nous respecter. Moi, moi, Nzambe, respecter. La fille de Dieu, respecte-la. Moi, na mobali Nzambe, respecter. Fils de Dieu, respecte-le. Soki libala Nzambe a dit. Si le mariage, Dieu le veut. Soki kimakango, n'osez pas. N'ose pas. N'osez pas. N'ose pas. Loba Amen. Dis Amen. Amen. Frère. C'est une sœur en Christ. Elle peut marier. Elle est aussi mariée. Hein? Ozanan. Tu es qui? Et communine. C'est quoi? Sœur. Donc moi aussi. On a frère. Lui, c'est le frère. En Christ. En Christ. À cause de la mariée ou pas? Il peut être marié ou pas? Mais il y a sa côte. Na arche. Dans l'arche. Bantaba na bankoi. Les chèvres et les lions ne se sont pas dévorés. C'était devenu des frères. Bazala ki kuna na objectif. Ils étaient là dans un seul objectif. Si vous le dites, Amen. Est-ce que vous aimez la parole de Dieu? Vous voyez? Ma soeur. Vous voyez ma soeur. Frère Wana. Ce frère-là. C'est lui qui dérange ta vie en Christ. Là. Il est porté malheur. Il est porté malheur. Ne pense pas que tu deviens amoureuse à cause de ça. Il détruit ta vie. Ta foi ne va plus croître. Est-ce que l'assemblée est ici? Attends, on dimite. Même si tu dis propre, moi, je dis la vérité. Foi koko la terre. Ta foi ne va plus croître. Yo monite gaza sorcier. Toi, tu ne vois pas qu'il est sorcier? Awa. Ici. Soki libala. Si c'est le mariage. Procédure. Ça va suivre la procédure. Et le berger de l'église à côté les il va vous faire des de... va appeler les serviteurs de Dieu. Bénédiction. Demandons la bénédiction. Vous allez prendre des sifflets. Et au ciel, Dieu se réjouit. Cette autre chose là, en dehors de cela, c'est la sorcellerie. Amen. Dis Amen. Bondoki. C'est la sorcellerie. Amen. Aux problèmes. Tu auras des problèmes. Ne les faites pas. Omoni Noé. Oui, Noé. Très patient. Même les jours où Dieu lui a dit d'entrer dans l'arche. Kota, masu esili. L'arche était finie. Ok, entre. Kota. Entre.
Vous les noca du jour au lendemain. Il n'y a pas eu de la pluie après du jour au lendemain. Non. Non. Et les cas, moi, Mikol. Il s'est passé encore quelques jours. Na chaleur. Avec chaleur. Azagawan. Il était là dans l'arche. Comme Dieu avait dit, entre. Il ne va plus sortir. Afandika. Il était encore là. Mais tango, mvula ebanda. Quand la pluie a commencé, Noé a ébatté. Noé ne savait pas. Noé a yoka kaka événement balali bosso na mokili banda bota manana yoka ngote. Noé a entendu l'événement qu'il a entendu la première fois na likolo du ciel. Il a entendu boum. Et puis ba éclair ebandi. Et les éclairs ont commencé. Bah. Bato ba potimbango balobi na kanisi makambo Noé alobaka yango. Qu'est-ce que Noé a dit, c'est ça? Ils sont venus. Dieu lui-même a bloqué la porte. Il a bloqué la porte. Fungola na maboko na. La clé entre ses mains. Est-ce que l'assemblée est là? Est-ce que l'assemblée est ici? Si toi tu es déjà entré, reste là. À ta crise, Vanda. Même ici il y a la crise, reste là. À ta épreuve, Vanda. Même si elle est épreuve, reste là. À ta bozanga, Vanda. Même si vous n'avez pas, restez là. Sinon tu vas sortir. Yes, et Jésus revient. Et vous êtes trop tard. Ça sera trop tard. Jésus qui est prêché une prédication. Mieux vaut tard que jamais. Mieux vaut tard que jamais. Ou soit mieux vaut tard que trop tard. Mieux vaut tard que trop tard. C'est presque la même chose. Salut le lundi à Morocco. Nous allons à l'enlèvement. Nan ouéquité. Cela n'est pas encore. Attends, ton dimanche au vendredi. Même si nous avons qui nous sommes là. Yosan qui au côté. Si toi tu entres. Cause à la cas candidat. Ne sois, tu seras candidat. Attends, au hier retard. Même si tu viens en retard. Fanda na yo. Reste là. Parce que nan ouéquité. Parce que nous sommes pas encore. Mais tant qu'on t'occupe. Nous allons partir. Cause à la tête. Bah oh, parce que nan bandi maga liboso ma kende. Ceux qui sont venus après pour suivre, non, Banso, nous tous, naba anciens, et les anciens, naba nouveaux, et les nouveaux, départ, balamoko, départ au même moment. Alors pour Nayo, et pour toi, mieux vaut tard que jamais. Mieux vaut tard que jamais. Alléluia. Amen. Mon frère. Ndekonangai. Ma soeur. Ndekonangai à moi aussi. Que la jeunesse ne te trompe pas. Mais nous enterrons les jeunes. Nous les enterrons. Qui ne te dit pas que tu vas mourir avant que Jésus ne revienne? Prenons la deuxième personne. Moïse. Moïse. Exode. Exode. Chapitre 4. Chapitre 4. Yoka. Écoutez. Moïse répondit et dit. Moïse appelle ça qui est un opère à l'obi. Adieu. Nanzambe. Voici. Tala. Ils ne me croiront point. Bakondi manga soki mokete. Et ils n'écouteront point ma voix. Bakokate soki mokete mongongo nangai. Mais ils diront. Kasi bakoloba. L'Éternel. Yahweh. N'était point apparu. Abimela kiyo soki mokete. L'Éternel lui dit. Yahweh l'obi na ye. Qu'a-t-il dans ta main? Il répondit, alobi, une verge. L'Éternel dit, yawalobi, jette-la par terre. Waka lingen dango na mabele. Il la jeta yango par terre. Na mabele. Et la verge pe, devint un serpent. E koma ki nyoka moko. Moïse fuyait devant lui. Moïse a qui met les bosons naïe. Mais l'Éternel lui dit. Yahweh alobi naïe. Étends ta main. Tanda loboko naïo. Saisis-le. Timba yango. Par la queue. Namokila. Il étendit la main. Attenda que les bosons naïe. Et le saisit. Pas Simba qui yango. Et le serpent. Nyoka. Redevint une verge. Azonga que les sous lingi na moko. Dans sa main. Kati na loboko naïe. C'est là, dit l'Éternel. Yahweh alobi. C'est que tu feras. Oko sala. Afin qu'il croie que l'Éternel, Yahweh, le Dieu de vos pères, t'est apparu. Abimelakiyo. Le Dieu d'Abraham. Nzambe na Abraham. Le Dieu d'Isaac. Nzambe ya Isaka. Le Dieu de Jacob. Nzambe ya Yakobo. Amen. Amen. On a commission ya Moïse. Ça c'est la commission de Moïse. Kende. Va. Et quand il a terminé de parler avec Dieu dans le désert, Dieu l'a croisé avec Aaron. C'est que qui réunit les gens dans les services. L'homme ne s'agit pas seul, c'est avec qui il va travailler. C'est Dieu qui a fait que Branham et Franck. Alléluia. Amen.
Si toi tu refuses, cela te concerne. Nous nous parlons de nos choses. Ça, ce sont nos choses. Les choses de notre Dieu. Dieu avec ses enfants. Dieu a fait rencontrer Frank et Branham. Celui-là de l'Amérique. Celui-là de l'Allemagne. Ils n'étaient pas des frères. Frank Alobi. Parce que Frank dit, si Branham n'était pas venu, et moi je n'allais pas avoir ce ministère. Est-ce que vous êtes d'accord? Est-ce que vous êtes d'accord? Et Aaron, Aaron Dieu lui a dit, va raconter ton frère Moïse. Ils se sont rencontrés. Moïse lui dit, je me suis croisé avec Dieu. Il m'a dit ceci. Tu vois cette vierge? Cela était venu, ceci, cela. Il dit, ça va. Si tu lis, ils ont appelé les anciens d'Israël. Ils ont raconté la commission de Moïse. Ils ont cette verge-là devant les anciens. Ils ont jeté. Cela est devenu le serpent. Les anciens étaient devenus convaincus. Et ses frères à le ministère. Ses frères rencontraient Dieu. Est-ce que vous êtes là? Vous voyez? Chapitre 5 d'Exode. Chapitre 5 d'Exode. À partir du premier verset. Après qu'il puisse se voir avec des anciens. La Bible dit. Moïse et Aaron se rendirent ensuite auprès de Pharaon. Et lui dit, ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, laisse aller mon peuple pour qu'il célèbre au désert une fête en mon nom. Pharaon répondit, qui est l'Éternel? Pour que j'obéisse à sa voix. Et laissant aller Israël. Israël a kende. Je ne connais point l'Éternel. Je ne laisserai point aller Israël. Moïse a rendu. Éternel. Yahweh. C'est le Dieu des Hébreux. Nous est à Paris. Permets-nous de faire 3 journées de marche dans le désert pour offrir des sacrifices à l'Éternel afin qu'il ne nous frappe pas de la lèpre, de la peste ou de l'épée. Le roi d'Égypte leur dit, Moïse et Aaron, pourquoi détournez-vous le peuple de son ouvrage? Allez, à vos travaux. Non. Le Jéhovah de l'Ancien Testament. C'est le Jésus dans le Nouveau Testament. Nous et Moïse, même Dieu. Amen. Amen. Verset 15. Avant de lire le verset 15. Na sima ya Moïse na Aaron kokutana na Moïse na Pharaon. Après que Moïse et Aaron puissent se faire voir avec Pharaon. Pharaon kanda et peli. Pharaon était devenu fâché. Nini? Quoi? Où t'es comme ça là? Laissez les travaux. Nzamba lobi. Dieu a dit. Nzamba lobi. Dieu a dit. Wana nzambeni. C'est quel Dieu? Abakisi lisusu misala. Il ajoute encore l'ouvrage. Verset 15. Les commissaires des enfants d'Israël allèrent se plaindre au Pharaon. Et lui dit, pourquoi traites-tu ainsi tes serviteurs? Ne pleure pas auprès de Satan. Non.
Qu'on se plaindre pas à Satan. Ne te plaît pas auprès de Satan. Satan, c'est un ennemi. Satan, c'est l'immoyini. Son conduit ordre et ensemble. C'est à l'ordre de Dieu. Exécutez la parole. J'exécute la parole. Un enfant de Dieu n'est pas un plaintif. Non. Il est courageux. Avec l'obéissance de ce que Dieu a dit. Est-ce que l'assemblée est ici? Les commissaires des enfants d'Israël allèrent se plaindre à Pharaon et lui dire: pourquoi traites-tu ainsi tes serviteurs? On ne donne point de paille à tes serviteurs et l'on nous dit: faites des briques et voici tes serviteurs sont battus comme si ton peuple était coupable. Pharaon répondit: vous êtes des paresseux. Voilà pourquoi vous dites: allons offrir des sacrifices à l'Éternel. Des paresseux. Est-ce que l'assemblée est ici? Tu vas faire la négociation avec Satan. Mon frère, est-ce que l'assemblée est ici? Soit qui malade est, s'il y a la maladie, soit position. Par la position. Soit qui péché est, si le péché arrive, soit position. Par la position. Soit qui dit comme moi quoi est comme lui. Si quelque chose t'arrive, qui est différent de la soit position à mon ensemble. Par la position de la négociation. Ne fais pas la négociation. Négociation avec Satan. La négociation avec Satan. Simbaté. Ça ne tiendra pas. Na Lola. Au ciel. Na Michael. Et Michael. Et Simbaté. Ça n'a pas marché. Est-ce que vous êtes là? Ayahua. Ah, il est bien ici. Alors négociation peut être. Pas de négociation. Nous nous sommes des enfants ennemi de Dieu. Ensemble, l'ennemi de Dieu, c'est notre ennemi. Amen. Tu n'as pas entendu? Bon, Moïse et Aaron. Parce que Moïse et Aaron. Ils sont allés dire à Pharaon la commission que Dieu a dite. Sa colère s'est accrue. Il a appelé ces gens. Vous étiez des aides-maçons. Vous les aidez un peu. Vous n'allez plus les aider. Ils vont commencer à faire l'ouvrage eux-mêmes. La souffrance s'est accrue. Certains chefs d'Israël sont allés voir les chefs. Pharaon. Les pharaons. Tu nous traites ainsi pourquoi? Il est paresseux. Vous avez ton goy-goy. On s'en va à l'obi. Aidez à Dieu. On t'en va à l'obi. Aidez à Dieu. Le prier. Bougomone. Vous allez voir. Babonde la casata. On ne supplie pas Satan. Et puis, ce qui est allé, il y a un peu de temps, il y a un peu de temps. Si ça concerne quelque chose dont un frère est lié des démons, il y a Jésus à l'obi qui priait les Satan. Et toi, tu as suivi Jésus dit prier les Satan. À l'obi qui chasse les démons. Bon, ben, la minute, on m'appelle. S'il faut chasser les démons, sois autorité. Cette autorité-là, au nom de Jésus, sortez. Bobima. Alléluia. Amen. Et avec assurance. Pendant ce qui se gagne. Sachant qui tu es. Sachant qui est Jésus. Il commence à trembler. Appelle-moi telle personne. Yo. Toi. Alors, Moïse est allé auprès de Dieu. Seigneur, Kolo, tu m'as créé des problèmes. Ma frère, les frères, ma commission maltraité plus maltraité à cause des messages au lobby d'Angaï. À cause des messages qui étaient mal. N'a dit à Pharaon. J'ai dit à Pharaon. À Tomboki, il s'est fâché. Pourquoi tu as fait ça? Au Lukelinga problème na libota. Tu as des problèmes. T'es ma sœur. Non ma sœur. T'es mon frère. Non mon frère. Et ça problème il y a frère Joseph. Ce n'est pas un problème de frère Joseph. Et ça problème il y a frère Branham. Ce n'est pas un problème de frère Branham. Et ça problème il y a frère Ewald de Frank. Ce n'est pas un problème de frère Ewald Frank. Et ça problème il y a Jésus. C'est un problème de Jésus.
Est-ce que vous allez là? Est-ce que vous êtes là? Bah oui, on a tangi. C'est là que j'ai cité. Basali à Jésus. Ce ne sont que des serviteurs de Jésus. Des serviteurs de Dieu. Celui qui a donné la promesse. C'est Jésus, c'est Jésus lui-même. Amen. Moïse, a Moïse est allé auprès de mais Dieu. Mais pourquoi tu m'as créé des problèmes? Chapitre 6. Au chapitre 6. Verset Aliboso. Premier verset. L'Éternel dit à Moïse. Yahweh l'a dit à Moïse. Tu verras maintenant. Et que je ferai ce que je ferai à Pharaon. Une main puissante. Le forcera. À le laisser aller. Une main puissante. Le forcera. À le chasser de son pays. Alléluia. Amen. Non. Est-ce que vous lingi Jésus? Est-ce que vous aimez Jésus? Nous ne nous battons pas seuls. Nous combattons avec Jésus. Et ce combat-là, ce n'est pas un combat charnel. C'est un combat spirituel. Frère, pika. Persévère. Par la foi. Dans le condima. Tenez-vous bon. Battez les mamans l'âme. Satan s'est allongé à la croix. Satan est vaincu à la croix. Azan de l'autre côté. Il n'a plus rien. Alléluia. Amen. Zamben Abisso. Notre Dieu a comparé Nanzoï. Il a comparé Satan avec l'abeille. Abeille. Abeille. Azaganangengeka moko. Il a seulement une. Abeille. Une aiguillon. Un seul aiguillon. Azaganangenge moko. Il a seulement un seul aiguillon. Nengo mona ka Nanzoï. Quand tu vois l'abeille. Soka suit moto. Quand il pique quelqu'un. L'aiguillon sort de lui. Il n'a plus d'aiguillon. Il reste seulement avec le bourdonnement. Oh. Mais moi, il n'y a plus moyen de piquer quelqu'un. Satan. Satan. Il avait un seul aiguillon. Il a piqué auprès de Jésus. Et, là, et cela est terminé. Alléluia. Amen. Et pas une abysse. Auprès de nous. Ma bourdonnement d'oreille. Ma bourdonnement d'oreille. Et puis tu as tout qui Jésus. Il a piqué Jésus. Jésus a joué un guingue. J'ai appris cet aiguillon-là. Les lots. Aujourd'hui. Jésus est en vie. Jésus est en vie. Oh, moni, pourquoi tu lingaka Jésus? Ouais, pourquoi nous aimons Jésus? Maladie. La maladie. Ezaba bourdonnement. Ce ne sont que des bourdonnements. Péché. Le péché. Ezaba bourdonnement. Ce ne sont que des bourdonnements. Ce sont des épouvantails. Azali Babylon, ils ont bangi ça. Ah, ils ont bangi ça. Des épouvantails. Eza nangengete. Ça n'a plus de venin. Mosala nangwe si là. Son œuvre était achevée, était déjà. La Richard abonde la Kiawa. Il y a une sœur qui a prié. Alors, dit, Seigneur. Kolo. Ce jour-là. Kolo wana. Tu as dit. Kolo baki. Tout est d'accord. Nous sommes conquis à mi. Qu'on voit Jésus mon cosité. Jésus comme un mentor. Non, ceci est là. Tout a été terminé. Alléluia. Amen. Tu ne vas pas mourir. Combien Jésus. Combien que Jésus. Si celui qui tient les clés. À Monique. Tu vois que. Mon ton œuvre. Ton plein. Est arrivé à la fin. Sans quitter. Sinon. Tu ne vas pas mourir. Et puis, sans que au koufi. Mais si tu meurs, tu ne vas pas à l'enfer. Sans que au koufi. Si tu meurs, étant chrétien, comme chrétien, directement, dans directement paradis. Au paradis. Amen. 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 Vous voyez? Amen. Vous voyez? L'Éternel dit à Moïse, tu verras maintenant. Ce que je ferai à Pharaon. Une main puissante. Le forcera. À les laisser aller. Une main puissante. Le forcera. À les chasser de son pays. Dieu parla encore à Moïse. Et lui dit. Je suis l'Éternel. Amen. 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 Oh. 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 Yes, oui. Yes, oui. Nazana fier. Je suis fier. Nazana fier. Je suis fier. Yakozala mwana nzambe. D'être fils de Dieu. Ezana moto mokote alongolanga na mabelo. Il n'y a personne qui peut m'arracher sur cette terre. Mokote. Personne. Jamais. Jamais. Tata moi cité. Pas tante. Nos côtés. Pas oncle.
Même si tu me hais, une œuvre vaine. Je ne suis pas à toi. Nazaya Jésus. Je suis à Jésus. Ata o se comploté contre ngai. Même si tu te complotes contre na moi, sécurité. Je suis en sécurité. Alléluia. Amen. Ndeti na oyo ngai frère Dona. Moi frère Dona. Maladie aye na bonde. La maladie vient, j'ai pris. Soge o kufi o bigite italinga te. Tu ne vis pas, ça ne me concerne pas. Moi, je crois seulement à la parole. Moi, je crois seulement à la parole. Imposez les mains. Imposez les mains. J'impose les mains. Ma je prie au nom de Jésus. Obiki, le si guéris, la gloire revient. Obiki, si tu ne guéris pas, la gloire revient. Lui. Où est mon problème? Est-ce que vous lisez Jésus? Est-ce que vous aimez Jésus? Ah, joie position. Pas la position là. Moïse. Moïse. Un homme patient. Mon thème, mon laï. Oui, bitanga kei pa. Et pas il y a Pharaon. Vous savez quand il est parti chez Pharaon. Dans Exode chapitre 7. Dans Exode chapitre 7. Verset 8. Au huitième verset. L'Éternel dit à Moïse et à Aaron. Yahweh à Moïse et à Aaron. Si Pharaon. Ce qui Pharaon. Vous parle. À l'obélibino. Et vous dit. Parle bien à Bino. Faites un miracle. Bosali comme ici Moko. Toi Moïse. Yo Moïse. Tu diras à Aaron. Okobana Aaron. Prends la verge. Jalingienda na yo. Jette-la devant Pharaon. Elle deviendra un serpent. Mais Moïse et Aaron allèrent auprès de Pharaon. Pharaon. Et ils firent ce que l'Éternel avait ordonné. Aaron jeta sa verge devant Pharaon et devant ses serviteurs. Et la verge devint un serpent. Comment qu'il n'y a qu'un moko? Son dame balobi. Si Dieu dit, au béti tembete, ne doute pas. Et ça la magande ngalo. Cela va se faire comme il a dit. Est-ce que vous avez sengo? Est-ce que vous avez la joie? Faut aller sengo. Faut avoir la joie, ma sœur. Ça ma kambona biso. Ça sont nos choses. Ba komaga depo na biso. Les gens écrit pour nous. Nzambe akoma ngo po arre conforté. Pour que nous fortifier, conforté pour fortifier. Bondimi na biso. Notre quoi? Notre croyance. Bondima bindima di maté. On n'a pas qui comme ça. Bondima Jésus. Nous avons qui en Jésus? Tout ce qui est en Jésus nous appartient. Bénédiction à nous. La bénédiction c'est à nous. Guérison à nous. Le salut à nous. Yabiso. Tout à nous. Même l'argent. Est-ce que vous êtes d'accord? Est-ce que vous êtes d'accord? Amen. Nous allons prier qui? Prions un homme de la terre. Oui, Jésus a dit Pilate. Vous savez, j'ai dit à des Pilates. Si vous avez celui qui t'a placé là-bas, vous n'allez pas me poser ces questions-là. Tu n'es là pas par toi-même. Il y a quelqu'un qui t'a placé là. Et cette personne-là a le droit de t'enlever de là. Même patron na yo. Même ton patron. Ataza païen. Même s'il est païen. C'est Dieu qui l'a placé là-bas. C'est Dieu qui lui a donné. Il veut les confisquer. Il va les confisquer. À cause de toi. À cause de toi. Amen. 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 On a jeté la verge. Mais regardez. Depuis Moïse a kutanaki na nzambe na lisobe. Depuis Moïse a rencontré des hauts déserts. Depuis nzambe a commissionné qui est. Depuis que Dieu l'a commissionné. Na lisobe kuna. Dans le désert là-bas. Lingenda e komaka nyoka. La verge était devenue serpent. Mais tout ce temps. Mais tant onyo so wa. Nanu aboka ki lingenda te. Il n'a pas vu pas jeter la verge. Bazaka ko benda na Pharaon. Il s'est tiraillé avec Pharaon. Bazaka ko ebisa bato commission. Il disait aux gens la commission. Patient. La patience. La patience. Sois patient. Patience. Si tu n'as pas de patience. Tu vas déranger les choses. Est-ce que vous êtes d'accord? Est-ce que vous êtes d'accord? Frère Bisso. Frère nous disons ce que nous savons. Tozo loba oyo to yebi. Sois patient. Si tu n'as pas de patience, baby. Les choses seront dérangées. Voilà là où Dieu est venu encore donner l'ordre. Au chapitre 7. Ils se sont rencontrés avec Dieu au chapitre 3. Du chapitre 3, chapitre 4, chapitre 4, chapitre 4, chapitre 5, chapitre 5, chapitre 6. Chapitre 6. Il était là. Ayebaki. Il savait. Naza commissionné. Je suis commissionné.
Mon frère, Satan atikakamoto facilité. Ne laisse pas quelqu'un facilement comme ça. Sois position. Prends ta position. Personne raison. Donne à Dieu raison. Est-ce que vous allez où? Est-ce que vous êtes là? Atika facilement. Il ne laisse pas facilement. Yoga. Écoute. Mais Pharaon. Kasi Pharaon. Après avoir vu la verge devenir serpent, appela des sages, des enchanteurs, les magiciens d'Égypte. Et ainsi, en furent autant par leur enchantement. J'ai lu Frère Branham. Allô, Biboy. Il dit ceci. Allô, Biboy. Il dit ceci. Landa. Suivez. Allô, Bi. Il dit. Qu'est-ce que Moïse a fait? N'yango Moïse a salaki. Il n'a pas dit. Allô, Baki Tete. Oh, Monsieur Pharaon. Oh, Mobali Pharaon. Je regrette. Na kolela. Je serai toujours votre esclave. Je me suis trompé. Non. Il est resté tranquille. Amen. Amen. A boaki lingenda na ye. Sa verge. Et comme ignoka. Il est devenu un pharaon a bengi ba magicien na ye. A boaki mangenda na bango. Na miso ya bato. Na miso ya pharaon. Yango pe komi ba nyo. C'est là aussi sont devenus des serpents. Moïse. Moïse. A regretté. N'a pas regretté. Aloba na pharaon te que. N'a pas dit à pharaon. Na kanisi je me suis trompé. Je pensais que je m'étais trompé. Nandimi na zalaka esclave. J'accepte d'être non, esclave. Non. Azaki na confiance. Il avait la confiance. Na moto ya commissionné. C'est lui qui l'avait commissionné. Alléluia. Amen. Zala na confiance. Et confiance. Na moto ya bengiyo. Celui qui t'a appelé. Oya longolio na mokili. Celui qui t'a tiré du monde. O commandant Ozali. C'est le Seigneur Jésus-Christ. Zali collé sous Christ. Zala na confiance en lui. Et confiance en lui. Zala tranquille. Sois tranquille. Ayez patience. Sois patient. Moïse ne s'est même pas précipité. Ah, Weli Saki a tâté. De partir ramasser les serpents parce qu'il l'avait ramassé au désert. Il ne pouvait pas faire de lui-même. Il attendait Dieu. Est-ce que vous êtes là? Cet événement-là est rassuré Pharaon. Ça a rassuré Pharaon. Je suis dans les bons. Et rassurer les magiciens. Ça rassurer les magiciens. Nous sommes dans les ponts. Vous allez dans mais événement où moko moko wana. C'est même événement. Et décourager bato bazala qui côtier la Moïse et confiance. Ça décourager ceux qui comptaient sur Moïse. Oh oui. Donc anyoka na bango pe basali. Eux aussi ils ont créé les serpents. Mais Moïse était confiant. Azali na confiance. Moïse. Mais Moïse était patient. Azali na motema molayi. Est-ce que vous croyez que c'est la parole de Dieu? Oui. Parce que c'est écrit. Moïse attendait Dieu. On est causé la Nzambe. Dieu. Nzambe. Mais événement là. Ailleurs, ici Moïse. Il a dit à Moïse. Saisis-le. Simbaye. Comme qu'il avait saisi. Donc, Simba qui yango. Au désert. Na désert. Mais avant Simba yango. Mais avant de les toucher. Bible lobby. La Bible dit. Nyokawana. Ces serpents là. Ya Moïse. C'est Moïse. Et meli ba nyoka mosusu ezaki wana. Zangouti les autres serpents qui étaient là. Ba nyoka mosusu. Ces autres serpents. Bamoni monoko ya nyoka ya Moïse. La bouche du serpent de Moïse. Loko la autoroute. Comme une autoroute. Bakote. Ils sont entrés. Bakote. Ils sont entrés. C'est alors que. Il a dit à Moïse. Simba yendengo Simba. C'est comme tu l'as touché auparavant. Simbi. Il a touché. Scène est changée. La scène a changé. Alléluia. Amen. Moïse a tikali na verge. Moïse est resté avec sa verge. Na ba verge ba magicien. Avec les verges de ses magiciens dedans.
Non, Jésus, c'est la personne à qui il faut compter. Il est le maître des temps et des circonstances. Compte sur lui. Ne te décourage pas. Ne pense même pas au péché. Devant Dieu, il n'est plus péché. Devant Dieu, tu es saint. Ozali mon saint. C'est tout. Et c'est lui. À travers ma kila na ye, Ozali mon saint. Tu es saint. Koyo koyo Satan a joué avec son histoire. Satan te dit à l'oreille. Ozali qui a fait ceci. Ozali qui a fait ceci. Non, 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 non. Jésus n'est pas bête. Vous voyez? Vous m'avez? Alors, Ésaïe, chapitre 40. Ésaïe, chapitre 40. Avant tout comme en Ésaïe, mets la main là où il y a Ésaïe. Deux Timothée. Allons à 2 Timothée. 2 Timothée chapitre 3. Bible à Timothée, mon capoami Satou. Nzambe a koma makambo pona yoi. Dieu a écrit ces choses pour toi. Aye baga ke mokolomoko bako kanise la biso yango. Il savait qu'un jour on va nous les rappeler. Makambo to yokango. Les choses ici on avait entendu cela. Tozo kanisa kaka. On rappelle seulement. Ba mingi ba yeba yango. Beaucoup le savent. Eko makamba la mususu tozo le wato bosana. Comme si nous avons. Dieu inspire les prédicateurs. Il vient, il nous les rappelle. Et cela nous donne encore la force. Il n'y a rien de nouveau ici. C'est seulement ce que nous avons déjà entendu. Mais comme nous écoutons ici, par moi, ce n'est même pas bien. Si quelqu'un d'autre passe, vous allez encore bien entendre plus qu'aujourd'hui. Nous nous rappelons seulement. 2 Timothée chapitre 3, verset 8. Yoka frère Paul. Paul. Qui a Timothée? Pour l'opposition. Pour l'opposition. Ce que lui pouvait obtenir. Pour l'œuvre de Dieu. L'œuvre de Dieu bien aimé. Opposition. Il y a toujours l'opposition. Amen. Dites amen. Comme fils de Dieu. Opposition est cause à la il y aura toujours l'opposition. Mais Paul. Timothée aussi avait l'opposition. Il lui dit. Timothée. Verset 8. De même que Jeannès et Jambres s'opposèrent à Moïse. De même. Ces hommes s'opposent à la vérité. Étant corrompu d'entendement, réprouvé, on sait réprouvé. Baboyami. En ce qui concerne la foi. Na oye tali kondima yango. Baboyami. Réprouvé. Baboyami. Ils sont réprouvés. Na oye tali foi. En ce qui concerne la foi. Et dans la bato mosusu. Il y a des gens. Baboyami. Ils sont réprouvés. Balingi bato koleka Jésus. Ils aiment déjà plus que Jésus. Baboyami. Ils sont réprouvés. Alléluia. Amen. Mais Kasi. Ils ne feront pas de plus grands progrès. Kasi bakosala susute ko kendeli boso. Pourquoi? Pona nini? Car Zambi. Leur folie liboma na bango sera manifeste. Et comme on a polele pour tous. Pona banso comme les filles. Ndenge salamaki. Celle de ces deux hommes. Oya batomi balo wana. Jeannès et Jambres. Jeannès na Jambres. Au bois qui frère Franck polema noé comme on a. La ta folie sera manifeste. Allô, amen. Amen. Hey, un serviteur établi par Dieu pour ton avantage. Yo, toi tu les rejettes. Ta folie sera manifeste. Ta folie déjà comme cela est manifeste. Dis amen. Bisso, nous croyons ce qui est écrit. Pourquoi? Nous avons un serviteur prudent. Un serviteur fidèle. Nous l'écoutons. Il est envoyé de Dieu. Il est prudent. Mais ce qui a été déjà dit.
Il est fidèle. Non, je sais comment. Et ce qui a déjà été écrit, il faut qu'on y faut l'écouter. Alléluia. Amen. Oyoki était. Tu n'écoutes pas. Bolé manawe comme ta folie sera manifeste. Oko adorer bateau. Tu vas adorer les hommes. Mais Oyoki est. Mais tu l'as écouté. Oko adorer vrai tu Dieu. Tu vas adorer le vrai Dieu. Le Seigneur Jésus Christ. Le Seigneur Jésus Christ. Est-ce que Bolingi Jésus? Est-ce que vous aimez Jésus? Ah. Amen. Voyez. Omoni. De même que Jeannès et Jambres s'opposèrent à Moïse. De même. De même. Na le langue moko. Ces hommes. Bato wana. S'opposent. Bazo telemela. À la vérité. Na solo yango. Étant corrompu d'entendement. Wana ba baby sami na boyoki. Ah boyoki c'est beba. Boyoki c'est beba. Boyoki ya bato wana beba. L'entendement de ces gens-là est corrompu. Boyoki na yo malgré la motéité et ça y a malam. Même si tu n'es pas prédicateur, c'est un bon entendement. Oh. Mais comment sœur a qu'on comprendre ma kambokole ka prédicateur? Comment la sœur peut comprendre les choses plus qu'un prédicateur? Moto yo ami bengi prédicateur. L'homme qui s'appelle prédicateur. Il sœur. Moi si ne commence pas à connaître Christ. Adana connaissance pour les cahiers. Connaissance plus que lui. Adana un seul Dieu. Il a un seul Dieu. Timo kola koku. Jusqu'à ce qu'elle va mourir. Amen. Amen. Yangondeko Joseph Lilanga. Yangondeko Joseph Lilanga. Alubaka. Il dit toujours. Wana bambangi sa. C'est là ils sont des bambangi sa. Ce sont des épouvantails. Ce sont des épouvantails. Des épouvantails. Branham a dit. Branham a dit. Oh frère. Oh frère. Wana kota kana lusambu moko na Brazzaville. Dans un culte à Brazzaville. Un prédicateur à Mati. Motei moko Mati. Bien aimé. Balingam. Le message. Sango oi. C'est comme un jeu de puzzle. C'est le collage à puzzle. Bon, j'ai des puzzles. Le jeu de puzzles. Sœur, attangate. Donc comment c'est attangate? Frère, ayebite. Le frère ne connaît pas. Yo, matisi biso. Toi, tu nous fais monter. C'est comme un soucoupe volant. C'est comme un soucoupe volant. Et ça veut dire quoi? Et nous allons venir. Soucoupe volant. Soucoupe volant. J'ai des puzzles. J'ai des puzzles. Biso peut ayebite. Nous aussi, nous ne les connaissons pas. Yebisa biso. Dis-nous. Sango. Ce message. Oh, yo, cause en assomme. Ce qui peut avoir clair. Un son clair. Alléluia. Amen. Oui. Oui. Soucoupe volant. Tu connais bien. Nous les connaissons. J'ai des puzzles. Les des puzzles, nous les connaissons. Mais il faut ça, il faut le bang. Est-ce qu'il faut le dire? Il faut le bang. Oui. La lisanga ya batonyon so batanga loko la yote. Dans un endroit, beaucoup n'ont pas étudié comme toi. Yo lingo la kisabiso savoir. Toi, tu veux nous montrer ton savoir. Ah, ça m'a savoir. Ici, il n'y a pas question de savoir. Non. Ici, il s'agit de la révélation. De la parole de Dieu. J'ai le bango yanza. Moni, j'ai des puzzles. Voyez, j'ai des puzzles. Ça signifie quoi? Landa, j'ai des puzzles. J'ai des puzzles. Pour moni bana. Voyez les enfants. Basom bagabilo comme okoboui. Ils achètent certaines choses. Ils en ont moins bah. Le coup là-bas, bah mayaka. C'est comme le coup là-bas dame. Le coup là-bas qui est en bas dame. De ceux qui sont dans la combo. Ils ont mis des noms. Bagogo tia kobanda A, Tizen. De A jusqu'à Z. Maintenant toi. Tango ba bulungu tanisi yango. Quand on bouleverse cela. Yo salama kasi. Toi fais un effort. Obimisango bien. Pour ressortir ça bien. Tout comme un vélo. Comme le vélo. Ton moto. Ton même la moto. Dango na ba pièce na kati ya carton. Pièce dans un carton. Siko yo yaka. Toi viens. Soko yebi peda musala. Vraiment le travail. Songi sa yango. Pièce oyo ezala kao. Pièce oyo ezala kao. Pièce oyo ezala kao. Pièce oyo ezala kao. Là-bas, ebima moto. Que cela puisse devenir une moto. C'était dans un carton. Ebima moto. Que cela soit une moto. Ne yango ba bengi jet de puzzle. C'est ce qu'on appelle jet de puzzle. Zongisa eloko ndenge ezali. Restitue la chose. Ba bouleverse yango. Bouleverse cela. Yo zongisa ndenge ezali. Toi restitue ça. Yo zana mandat nango yo. Toi tu as ce mandat là. En dehors à Franck. En dehors de Franck. Franck ende azwa message. Franck a reçu le message. Message yaki brut. Le message est devenu brut. Yaki tanga. Message est yaki liboke. C'est devenu comme un fleuve. Est-ce que l'assemblée est allée? Est-ce que l'assemblée est ici? De Branham a sopa yango. Frère Branham verset pan. Alors Franck. Alors frère Franck. Ne azwi pièce. A pris pièce par pièce. La pièce. Pièce par pièce. La pièce. Pièce par pièce. Ate elo. On est à sa place. Yozana toi, tu n'as pas lui. Comment est-ce qu'ils sont? Comment tu vois pas comme tu as qui au 7 tonnerre? Est-ce que les 7 tonnerres concernent l'épouse? Les 7 tonnerres. Ça va gronder pendant que l'épouse est déjà au ciel. Ange, c'est un
ange là qui va descendre, un pied sur l'eau, un autre pied sur la terre, qui livre ouvert, les livres ouverts, il a dit, les saints t'auront prononcé, Azali Koloba a rapport à Israël, et ça ne nous concerne pas, nous nous serons déjà partis, toi, comme tu ne crois pas Franck, allez aux hôtes, dans l'assemblée, les tonnerres sont révélés, entendez-moi corrompu. Alléluia. Amen. Est-ce que vous l'aimez? Bon, donc il y a Esaïe. Prenons Esaïe 40. Esaïe 40. Verset 27. Esaïe 40, verset 27. Pourquoi tu dis Jacob? Jacob. Pourquoi tu dis? Israël. Pourquoi tu dis? Tu dis que ma destinée est cachée devant l'Éternel. Mon droit passe inaperçu devant mon Dieu. Ne laissait-il pas? Oui, bien goûté. Ne l'a-t-il pas appris? Oui, c'est le Dieu d'éternité. L'Éternel, Yahweh, qui a créé les extrémités de la terre. Il ne se fatigue pas. Il ne se lasse pas. On ne peut sonder son intelligence. Il donne de la force à celui qui est fatigué. Et il augmente la vigueur de celui qui tombe en défaillance. Les adolescents se fatiguent et se lassent. Et les jeunes hommes chancèlent. Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Alléluia! Amen! Confie-toi à l'Éternel. Tu deviens fort. Regarde les serviteurs prudents. Les serviteurs fidèles. Nanjoto. À ce qui concerne le corps. 80 quelques. 80 ans. Otamboula. Il marche comme ça, un peu plié. Otamboula. Marche un peu plié. Alembi. Fatigué. S'il monte du haut de la chair, moi je ne saurais pas. Il peut faire 6 heures. Il parle. Il termine. Il va au réunion des serviteurs. Il termine là. On l'appelle là-bas à tel endroit. Non. Il s'est rajeuni. Rajeunissement auprès de Sarah. Sarah, le temps de mettre au monde était passé. Mais lui a rendu jeune. Il a dit toi, la semence de Jacob, la semence d'Israël. Pourquoi? Tu as ces questions-là. C'est mon problème. C'est comme si Dieu a oublié. Dieu. Oublié. Dieu n'oublie pas. Il connaît ton cas. Sois calme. Si tu es d'accord, dis Amen. Dieu connaît ton cas. Que ce soit au travail. Que ce soit concernant les corps. Que ce soit au mariage. Où c'est? Dieu connaît tout. Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent leur vol comme les aigles. Ils prennent leur vol comme les aigles. Ils courent et ne se fatiguent pas. Ils marchent et ne se lassent. Amen. Amen. Il faut causer. Il faut patienter. Il faut avoir la patience. L'indigne de briques. À la foi. Na condiment. Ajouter vertu. À la vertu. Nanguya. Ajouter connaissance. À la connaissance. Ajouter tempérance. À la tempérance. Ajouter la patience. Avec Dieu. Il faut être patient. Abraham a zéla moana. Abraham a patienté. 25 ans. Abraham. A zéla moana. Il a attendu l'enfant pendant 25 ans. Parce que Dieu a dit, tu vas mettre au monde. Moi, si n'ayekutu, sa femme lui a dit une erreur. Moi, je vois que je suis devenu vieille. Par Agar. Non. Dieu lui a dit Agar, non.
Pas Agar. Sarah. Sarah. Même si elle est vieille. C'est toi qui la vois vieille. Mais pour moi, rajeunir. Je vais la rajeunir. Ma soeur, ma soeur, mon frère, qu'on décourage ne te décourage pas. Dieu qui nous a appelés avant de laisser cette terre, nous allons faire quelque chose. Les gens sauront différence. La différence. D'abord, ceux qui ont crié à Dieu, d'abord, ceux qui ne l'ont pas crié à lui, que Dieu nous bénisse. Merci. Merci. Tel que je suis sans rien en moi, sinon ton sang versé pour moi et ta voix qui m'appelle. Prions ensemble, mes amis, concernant la parole que nous venons d'écouter. Que nous soyons un peuple de soins, 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 que nous soyons un peuple de soins
ta parole et qu'il y ait la paix sur terre, en toute la communauté. Seigneur, nous adorons tout. Nous avons compris à toi, Seigneur. Nous savons ta vie et nous savons, Seigneur, ce qui nous amènera à nous. Peu importe ce qui nous arrive, Seigneur, que nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimé. Aide avec Dieu, nous voulons être réellement que tu vois marcher d'après ta parole. Vivre ta parole comme il faut et respecter toutes les commandations de ton Seigneur, appelé Jésus, évangélique, parle-nous et ton Esprit Saint, donne la révélation de ta parole, affirme-nous et va nous conseiller que nous ne puissions pas nous lasser, Seigneur, que nous ne puissions pas écouter le lien et que nous avancions par la grâce de Dieu, par l'amour, par la conviction et l'assurance que tu as donné, Seigneur. Merci, Seigneur. Ce soir, bénis Seigneur, délivre-nous Dieu et donne la force de pouvoir discerner encore ce soir. Qui a été au rendez-vous, qui a parlé Seigneur, que nous avons écouté, donc c'est la capacité, donc le courage, donc la force Seigneur de mettre cette parole en pratique. Quelle soit notre vie de tous les jours, qu'elle nous accompagne partout où nous sommes, partout où nous sommes Seigneur, que nous soyons des véritables. Zambe tata na kolo na biso Yesu Kristo. Dieu père de notre Seigneur Jésus Christ. To zali lisuko tondo na pokwa. Une fois de plus nous te remercions ce soir. O na kolo bela biso o etali la passion. Charnellement, il peut se retrouver que deux femmes peuvent avoir la grossesse au même moment. Et comme il vient moi, Moussou soit beauté. On ne vient moi, l'une met au monde. Et Moussou soit patienté, kaka. Et l'autre va patienter. A forcer, ne forçant rien. Mais n'attend qu'on aille. Et en son temps, il va mettre au monde. Ce sera la patience. Et on dit qu'on t'aime, Molaï. Parce que le Seigneur va accomplir tout ce qu'il a décidé pour chacun de nous à son temps. Na monoko na biso ba Christo. De nos bouches, nous chrétiens. Ne disons pas que Dieu traîne. Dieu ne traîne pas. Dieu ne tarde pas, mais plutôt Dieu est amour. Il voit qu'il nous a élus. Vous savez que nous ne sommes pas encore prêts. C'est nous qui tardons. Mais ce n'est pas Dieu. Bénis ton serviteur. Donne-nous la patience. Conforme à la parole de Dieu. Une patience qui est conforme à la parole de Dieu. Le Noé était patient. Parce qu'il y avait une promesse. Il a comme quoi il a qui. Parce que promesse est s'il n'y a pas de promesse, il n'y a rien que nous allons obtenir. Merci pour nous avoir parlé. Merci pour nous avoir parlé. Pambola kirte ya pokwa. Bénis les cultes de ce soir. Pe batonyoso balani biso na singa. Et tous ceux qui nous ont suivis par connexion. En confirmation de ta parole. En confirmant ta parole. Que les malades soient guéris au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Bozongi na biso na kata na boko na yo. Tout entre tes mains. Nous pensons à ton serviteur Joseph, il est là où il se trouve. Nous prions pour notre frère Evad Frank. Nous prions pour Israël. Nous prions pour l'épouse parole dans le monde entier. Fais-nous ainsi. Fais-nous la patience biblique. Fais-nous mon thème, mon laïa, Biblia. Que chacun de nous expérimenter la patience. Mokona mokona biso abika motema molaye.
ne puisse pas déranger les choses tout en étant pressé. Toi, tu fais chaque chose en son temps. Merci, Seigneur. Nicolo, au nom de Jésus-Christ. Ozali malamu. Tu es bon. Malamu. Bon. Bolingo na yo eyebi ko pima mate. Ton amour est incommensurable. Nzoka yo benga bisonde na makambo kitoko. Alors tu nous as appelé pour de bonnes choses comme ça. Toyebakate. Nous ne savons pas. Mais tozo mona ndenge nini bufungwa miezo salama. Nous voyons comment ces choses là sont révélées. Petondimiete. Et nous croyons. Kaka ndenge yo lingaka tozala. Comme toi tu as voulu que nous soyons. Nde tokokoma. C'est que nous allons arriver. Ya solo. Il est vrai. Oyo munguna zali ko sala. Ce que l'ennemi fait. Eza mangungu. Ce ne sont que des grimaces. Yo siolonga. Toi tu as déjà vaincu. Ilonga na yo. Ta victoire. Elonga na biso. C'est notre victoire. Longola bobang. Enlève la peur. Longola kolé la lela. Enlève les pleurs. Té. Non. Babonde la kamunguna té. On ne supplie pas l'ennemi. Té. Non. Babonde la kandenza. On supplie Dieu. Nzambe na lola. Dieu du ciel. Salabiso ngolu. Fais-nous grâce. Yakoye ba position na biso. Connaître notre position. Totondi yona pokwa oyo. Nous te venons ce soir. Petondi miete. Fais nous croyons que. Okita ki pe na solution. Descendi avec la solution. Solution ya bokono. La solution de la maladie. Solution ya misala. La solution du travail. Solution ya kondima. La solution de la foi. Solution ya nyoso. La solution de tout. Nous n'avons aucune autre personne ici sur la terre. C'est qui nous pouvons compter en dehors de toi. Seigneur, Seigneur, merci pour la patience. M'attends pour la patience. Aide-nous. Tu n'as pas dit en vain. Donne-nous cette patience. C'est toi qui avais appelé Noé. C'est toi qui avais appelé Abraham. C'est toi qui avais appelé Moïse. C'est toi qui avais appelé les apôtres. Tu leur as dit, attendez jusqu'à ce que. Oh Dieu, oh Nzambe, Sunga biso, aide-nous, dosela, nous patientons jusqu'à ce que qui n'ont été, moto na moto, chacun na likambo na ye, a son problème, azela yo, qu'il patiente, et à nous ezali, la solution est là, et bali biso kozonga na bandako, nous rentrons dans nos maisons, tokumi sa yo, que nous puissions te louer, toloba yete ozali Nzambe malamu, que tu es un bon Dieu, merci, matondi, na pokwa oyo, ce soir, basali na yo, les serviteurs, katikati na biso, au milieu de nous, bapambolama, qu'ils soient bénis, na pokwa oyo, ce soir. Ba diacre, les diacres, na katia lo samboyo, dans ces cultes, qu'ils soient bénis. Bana ba bali, des frères, des filles, qu'ils soient bénis. Bana basi, des filles, qu'ils soient bénis. Ba yembi sindembo, ceux qui entendent les chansons, qu'ils soient bénis. Oh, tata na biso, oh notre père, ba technicien, technicien, qu'ils soient bénis. Seigneur, Kolo, nani yoko tika ko pambola. Qui va laisser que tu ne puisses pas bénir. Ba so tozo talela yo. Tous nous comptons sur toi. Ba traducteur, les traducteurs, pambola bango. Bénis-le. Merci Jésus. Est-ce que Mokola dimanche, le dimanche, si tu ne viens pas pour l'épouse, que nous puissions nous retrouver ici, Lola et que le ciel nous puisse nous parler, moko biso, que chacun de nous ayebaete, qu'il sache que il est ambassadeur, qu'il puisse lever les drapeaux partout là où il est, pour yeba, que l'ennemi sache que c'est la famille qui est rachetée dans la salle de l'Emmanuel, na belle mate, que nous ne puissions pas tenir pour avoir l'épée. Merci. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Na kombo na Yesu Christ. Seigneur Jésus Christ. Neko Jérémie pambola. Que frère Jérémie soit béni. Merci. Merci. Na ndela ya bozongi. En rentrant. Oyo munguna bongi seli biso. C'est que l'ennemi a planifié. Babisa yango. Détruis-le. Toko mana kimia. Que nous puissions arriver en paix. Merci pour la frère Stéphane. Merci pour les frères Stéphane. Oto bonde la kilobi. Nous devons prier hier. Na pokwa to moni ye. Ce soir nous l'avons vu. Kombo na wekumi sama. Que ton nom soit loué. Na kombo na Yesu Christ. Au nom du Seigneur Jésus Christ. To bonde libo. Nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Veuillez vous mettre, mes frères. Que Dieu vous bénisse. Amen. Hier, nous avons annoncé le décès de la maman de la sœur Mbelou, Mathilde. Mathilde. Et nous avons dit que le corps sortira le samedi pour être enterré le samedi. Mais ce ne sera pas ainsi. On a reporté. Le corps sortira le mercredi le 19.
19 octobre. Le corps est à la morgue des cinquantenaires. Nous autres, ils ont la morgue à cinquantenaire. Dans l'entretemps, mon frère, la maman, à Bandal, sur l'avenue Swala. Na balabala Swala. Numéro 18. Référence. Le marché Zando ya Baluba. Wenza Baluba, Zando Baluba. Oui. Donc, vous êtes informé. Vous pouvez aller consoler la sœur. C'est très nécessaire. C'est son être cher. Que Dieu vous bénisse. Faire ses faces.